Salut, salut, chers Camerounais, chers frères, chers compatriotes de par le monde. Bonjour, une fois de plus. Vous aviez bien remarqué que ma page Facebook d'Anis Kopi officiel connaît des restrictions. J'ose bien croire que c'est Facebook. Mais je vous avais averti lorsque je vous disais abonnez-vous à ma page d'Anis Kopi, ma chaîne YouTube. Sur YouTube, je disais bien que quand le meilleur va venir, je sais comment ça fonctionne Facebook, il y aura des restrictions et tout. Alors, je viens sur une actualité qui brûle, qui sort un peu du contexte de l'angle que de traitement des sujets de tous ces derniers temps-ci. Parce que vous êtes aussi nombreux à me demander, et toujours à répondre, à prendre position sur l'actualité. Je vais vous dire quelque chose, c'est que ce n'est pas parce que j'ai peur de prendre position, parce que, et c'est pour ça que je me veux libre. Je vous ai toujours dit que la politique, c'est quelque chose de terrible. La politique, elle vous sort de vous, elle vous décolle, elle vous éloigne de la raison. Et quand vous voyez ce qui se passe dehors, vous vous rendez compte que dans un jargon politique, il y a toujours des écartements et tout. C'est pour ça que moi, je préfère m'en tenir à la société camerounaise, à la construction de notre société camerounaise, notre vivre ensemble, qui consiste à voir des choses dans la même direction, sans qu'on se place sous un angle quelconque pour pouvoir juger. Il y a des gens qui estiment que je ne veux pas prendre parti, peut-être parce que je suis sympathisant du MRC. Oui, je ne suis même pas qu'un simple sympathisant du MRC, il faut que je vous le dise. Oui, je suis sympathisant du MRC jusqu'à ce que qu'il y ait un parti qui puisse défier le MRC. Tant que le MRC reste le premier parti d'opposition au Cameroun, ne vous en faites pas. Je suis sympathisant du MRC. Une fois que je l'ai dit, parce que s'il fallait que je sois plus ouvert, plus sincère, j'aurais voulu rester membre de l'UPC. Parce que pour moi, l'UPC, en principe, devait être le parti nationaliste, le parti des Camerounais. L'UPC, la vraie, l'UPC originelle, devait être le parti comme un parti communiste. Parce que notre pays, ce pays-ci, ne se construira pas à partir des divisions idéologiques et tout. Il faut une centralisation, synergie d'idées pour pouvoir sortir, d'abord pour pouvoir arracher notre souveraineté et pouvoir développer le pays ensemble. Voyez-vous, quand on parle de tribalisme et de tous ces mots qui traînent notre société, qu'est-ce qui apporte ça? C'est la politique. Enlevez un peu la politique dans notre société, vous allez vous rendre compte qu'on ne parlera plus de tribalisme. Il n'y aura que quelques petits aigris qui auront peut-être peur de Bamleke. Pas peur. Pas peur, parce que c'est les mêmes qui vous donnent l'impression qu'ils ont peur, qu'ils se méfient, mais qui dorment à côté de Bamleke quand ils ont besoin de quelque chose et tout. Donc, ce n'est qu'une ruse machiavélique et pas saine. Je viens au sujet, dont je ne vais pas mettre long, je viens au sujet qui fâche. La mort de Pinda Ekoka vient sonner comme, pour moi, comme un élan de plus de prise de conscience. Parce que lorsque je disais ici, je faisais par exemple, je sortais de mes gonds pour dire « ils ont tué Kamto ». Il y en a beaucoup qui ont trouvé que « oh, c'est parce que oh, j'ai changé de camp, bon, je suis un infiltré et tout ». Je vous rappelle, je le dis à Monde Vision, que quelqu'un a m'enlevé ça. Tant que le MRC reste le premier parti d'opposition, hein, je supporterai le MRC. Donc, mon rôle, c'est de ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire que ce que j'ai décrit. C'est-à-dire que rester tout simplement un fanatique du MRC, c'est-à-dire que ça monte de ça. On ne va pas construire le Cameroun, on ne peut pas construire une idéologie positive avec le fanatisme. Non. Même entre les frères à la maison, on se bat. Entre un parent et une mère et un enfant, les gens se battent.
Tant pis pour les gens qui estiment que le jour où tu dis que non, la méthode, ce n'est pas bonne. C'est que vous êtes infiltré, c'est que vous machin truc. Tant pis, mais je vais vous dire une chose. Moi, je ne communique pas pour les intellectuels. Non, pardon. Je ne communique pas pour les lettrés. Les lettrés, vous les connaissez. C'est tous ces gros diplômes qu'on vient nous présenter. Je ne communique pas pour les lettrés. Je ne communique pas non plus pour les illettrés comme moi. Non, c'est très difficile, la communication avec les illettrés. Parce que eux, ils ont mis dans leur tête que c'est gauche, gauche, c'est gauche, gauche, seulement bêtement, gauche, 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 gauche. Même si ça vous amène dans la tombe. Je communique pour les intellectuels. Et vous savez très bien qu'un intellectuel, ce n'est pas celui qui est forcément lettré, qui a des diplômes, qui a le... mais c'est celui qui comprend. Et je discute beaucoup avec beaucoup de Camerounais de par le monde. Et tout, on débat, on développe, on tombe toujours d'accord. Parfois pas de mon côté, parfois de leur côté. D'une manière normale, on ne peut pas être dans un même camp et on se bat. On ne peut pas vouloir que les choses changent dans un pays, mais on se bat dès lors qu'on se rend compte qu'on n'a pas le même point de vue. C'est que finalement, qui est l'adversaire? Tout le monde aura peur de tout le monde. Puisque comme toi, tu me prends pour un adversaire parce que nous ne sommes pas du même point de vue aujourd'hui. Moi aussi, je te prends pour un adversaire. Et on construit donc quoi si on se défie entre nous? On est autant divisé, autant de conceptions, autant de manières de voir des choses. Et j'ai toujours l'impression que ceux qui ne voient pas les choses d'une manière objective, c'est ceux qui ne participent pas au débat ou bien machin. Tout. Quand vous êtes déjà 2, 3, 4, 5, 6 dans une salle pour débattre sur quelque chose, ou la démarche sur quelque chose, quand vous êtes déjà dans ce genre de position, vous allez vous rendre compte qu'il y a des points de vue divers, mais vers le même objectif. C'est ce que je voudrais rappeler par rapport à ce qui se passe dehors. Lorsque j'avais dit ici à l'époque, que non, il ne faut pas s'attaquer à Pinda Ekuka. C'est un point de vue, c'est une opinion. Il peut ne pas être d'accord et tout. On m'a dit, non, vraiment, ils sont des infiltrés, machin, machin, truc et tout. Ok. Aujourd'hui, le débat se pose. Il faut être honnête envers soi-même et sincère. Lorsque Paul Eric King est mort, mes vidéos circulent partout, dans ma chaîne YouTube et partout, partagées. J'étais le premier à dire pas de compassion pour Paul Ekiri Kingé. Et je maintiens ma position. Dans la vie, hein, il faut être objectif envers soi-même. Il faut être honnête envers soi-même. Si tu dis que quelqu'un n'est pas bien, alors, et que tu es dans, tu as la conviction que la personne n'est pas bien, alors reste ta position. C'est pas quand la personne est morte que tu veux montrer. Ça, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas construire une société en allant devant, en allant derrière et tout. Moi, lorsque Paul Eric King est mort, et ma chaîne, j'ai fait la vidéo, tout le monde essaie de circuler dans la toile, partout. Que pas de compassion, c'était bien titré, pas de compassion pour Paul Eric King, parce que j'avais trouvé que c'était un traître. Il a trahi pour des intérêts quelconques. Il a trahi. Et c'était là. Avait-il les raisons de partir, les raisons de déchirure? Ce que je sais, c'est que si je ne suis plus d'accord, hein, je me mets à l'écart et je ne vais pas combattre. Si je ne suis plus d'accord, je me mets à l'écart et je ne vais pas combattre. Je ne vais pas combattre hein, celui avec qui j'étais hier. Et tout. Non, je me mets tout simplement à l'écart. Donc, je vois que le soleil tape trop. Je rentre ici. Allez, j'espère que le garçon, il ne va pas me cogner le... Je vous dis sur la tête, là. Voilà. Ok. Donc, alors, je voudrais dire que pourquoi il y a tant de déchirures autour de Pinda Ekuka? S'il y a les uns qui ont estimé que Pinda Ekuka ne valait pas la peine, ne valait plus la peine, il a trahi. Pourquoi s'intéresser même à son deuil, à sa mort? Il faut être honnête envers soi-même. Il faut être honnête avec soi-même, c'est clair. Vous savez, je vous dis que c'est ça le piège de la politique. Le piège de la politique, c'est que hein, quand vous n'avez pas, vous n'attendez pas la même idéologie, on a l'impression que vous êtes des ennemis. Et pour quelqu'un va me dire pourquoi moi j'étais, je n'avais pas de compassion pour Pinda Ekuka, encore que pour Paul Eric King, et que
Peut-être que j'en avais pour une, premièrement. Moi particulièrement, je vous ai dit que je ne sais pas, je n'ai pas suivi Pindeko quand un jour dit je ne suis plus ou bien machin truc et tout. Tout est arrivé sur une affaire de survival et les points de vue étaient divers. Malheureusement, j'ai mes frères, ceux-là de cette génération, de cette classe sociale qui pensent que c'est oura, 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 oura. J'espère que la prise de conscience, elle doit être universelle, unanime, parce que ce n'est pas avec la violence, avec les divisions qu'on construit. On ne peut pas construire avec les divisions. Et on ne peut pas arriver si on est seul. C'est nous tous comme ça. Là. Donc, s'il y a un communiqué qui dit que personne ne doit venir au deuil de Pindeko, ou bien les membres du MRC, ça ne devrait pas être l'objet de, pour moi, ce n'est même pas, ce n'est pas aujourd'hui. Aller un peu partout, des deuils et tout. Je venais encore d'enterrer ma tutrice ce week-end-ci, ce samedi, ce dimanche. Il y avait des gens dont on a prié de ne pas venir, au deuil. C'est aussi simple ça. Soit pour des raisons que la défunte n'était pas en bonne entente avec telle personne. Et puis on estime que vraiment, pour le fait que vous n'étiez pas en bonne entente, autant mieux vous restez chez vous. Ça ne devrait pas être l'objet d'une polémique. Encore que Pindeko est parti. Il est parti, il n'est plus un adversaire. Bon, si on a estimé qu'il était devenu adversaire, mais on reste adversaire. Moi, quelle est cette compassion autour quand quelqu'un n'existe plus? Pour moi, quelqu'un est important de son existence. Quand il n'est plus existé, s'il n'était pas important, étant vivant, pourquoi il devient important pour toi étant mort? Non, c'est de l'hypocrisie. À peu près comme les gens qui tirent sur Kanto aujourd'hui, et tout, et que quand il arrive un malheur, là, et tout, et puis il vient faire de la compassion. Vous allez trouver ça comment? Dites-moi, vous allez trouver ça comment? Si Kanto, je dis que, on ne le souhaite pas, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux là. Et maintenant, là au devant de la scène, on n'a pas mieux que Kanto. S'il arrivait Kanto à quelque chose maintenant et que vous savez que tel tirait sur Kanto, tel tirait sur Kanto et tout, et que vous voyez subitement cette personne avoir de la compassion pour Kanto, bienvenue à son deck, vous comporterez comment? Parce qu'à chaque fois, c'est cet exercice qui dépasse beaucoup. À chaque fois que vous voulez prendre une position, vous voulez raisonner, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Vous vous dites, si c'est moi qui étais à sa place là, je ferais comment? Je ne sais pas pourquoi la contradiction blesse certaines personnes. Non, il ne devait pas avoir de polémique autour du deuil de Pindeko. Bon, il y a des gens qui avaient pris la position et je les avais avertis que ce n'était pas la bonne position. Regardez aujourd'hui, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez l'impression que c'est deux camps. Ces deux camps qui étaient du même camp hier, pour une incompréhension sur une affaire de gestion des finances, les deux camps, ça a fragilisé qui? Est-ce que ça aide même le MRC? Ça n'aide pas. Quand vous faites des choses, on vous dit taisez-vous, on vous dit on ne fait pas comme ça. Vous pensez que vous faites plus mal dans notre camp qu'aux autres. Ça n'aide pas. Et ce que je disais, je l'avais dit ici, ça ne fait même pas deux mois. Dans ils ont tué Kanto. Je l'avais dit ici. Parce qu'en fait, ceux aujourd'hui qui sont tranchés derrière Pindeko étaient les fidèles du MRC. Aussi, parce qu'ils étaient Pindeko étant alliés. Donc, il n'y avait pas de raison, quand il y a une petite contradiction, un petit malentendu, que directement ça devienne, je ne sais pas, à couteau tranché. On va construire la République avec ça. Ah non, c'est pas sérieux. Maintenant, donc, il est parti et tout. Pour moi, j'estime que ceux qui ont la ferme conviction au fond de que Pindeko a trahi ne devraient pas s'intéresser à son deuil. Ils devraient tout simplement rester tranquilles, ils ne devraient pas s'intéresser à son deuil. Moi, je ne m'intéresse pas au deuil. Au deuil ou au malheur de quelqu'un, donc, au fond de moi, il n'existe pas. Je vais chercher quoi là-bas? Avant qu'il ne meure, on avait déjà. Il y avait ce qu'il avait déjà condamné comme ne faisant plus partie de liaison ou d'alliance du MSO, machin, tout et tout. Au nom de quoi? Tu vas venir dans son deuil? Rien. Non, si tu sens que non. Mais si tu estimes que peut-être qu'il n'était pas, c'était pas bon sa position, tout simplement, et tout,
C'est encore normal. Et puis bon, moi je comprends pas. On ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas aller au deuil de Pinocchio. Mais on ne peut pas demander à une représentation officielle, à une personne morale, qui estime d'avance que cette personne était devenue infréquentable. Pourquoi cette personne morale va venir au deuil de l'autre? Et comme je dis, prenons toujours cet exercice dans les deux sens. Pour comprendre que c'est un faux débat. Ce débat, oh non, il y a... Son clan a dit que non, ils ne veulent pas le MSO, machin. C'est un problème. Oh, il faut que la famille intervienne. Oh, machin, il y a quoi? Il y a quelle adversité autour de la mort de Pinocchio, quoi? Il est mort, il est parti. Ceux qui estiment au fond de lui, au fond d'eux, que non, ils ne considèrent pas Pinocchio après la lutte, après avoir passé par la prison, après la massacre, qu'ils ne méritent pas ce genre de traitement. Tant mieux. Ceux qui estiment que soi-même Kamto, pour peu que tu peux faillir un peu demain, on te jette à la vindicte populaire. C'est aussi là. Chacun reste dans son camp. C'est aussi simple. Tant mieux. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce débat qui, dont on m'a demandé de me prononcer. Et puis je voudrais dire, ce n'est pas la bonne position en conclusion. Ce n'est pas la bonne position. Et après, c'était qu'il a un doc. Pour une raison ou une autre, il suffit d'un peu comme ça. On tire. Ça ne construit pas. Et j'avais dit, on a besoin de tout le monde. Comme toi, tu as besoin de tout le monde pour faire le nœud. Il a besoin de tout le monde. Encore qu'il a eu besoin de tout le monde pour être ce qu'il est aujourd'hui. Celui-ci, Cabral a déçu, tous ceux qui étaient derrière Cabral, tous ceux qui ont misé leur espoir sur Cabral, se sont retournés chez Kamto. Et tout. Et vous savez pourquoi? Ils ne peuvent pas, ils ne se plaignent pas d'être retournés chez Kamto, parce que la trahison de Cabral était actée. Ce n'est pas sur un malentendu, mais la trahison était actée. Ce n'est pas la trahison contre Kamto. C'est la trahison contre le peuple. C'était acté. Et du coup, tout le monde s'est retrouvé derrière Kamto. Donc, on n'a aucun intérêt quand on est entre nous, entre cercles. On est tous, je dis souvent, il n'y a que deux camps au Cameroun. Il n'y a que deux camps dans notre pays. Pour notre pays. Ça veut dire que soit tu es du côté du régime, hein, soit tu es du côté de l'opposition. Alors, quand les gens sont d'un côté, du côté de l'opposition, ils ne se battent pas. Ils peuvent ne pas avoir de point de vue, mais ils sachent que ça s'arrête uniquement sur le point de vue. Et on continue. Mais quand on se bat, l'adversaire en face, nous-mêmes on se bat déjà d'abord, l'adversaire, il s'assoit, il attend celui qui va gagner, là-bas pour l'assommer. Parce qu'il sera tellement minoritaire, tellement petit, il sera isolé, qu'on va seulement l'assommer. Si on combat tout le monde autour de Kamto, on va l'isoler et le régime n'attend que ça pour l'assommer. Donc, mes frères, soyons sages. Soyons intelligents, soyons sages. Allez, bonne journée.